Nous sommes en direct de Rosny-sous-Bois dans le 93 avec monsieur Ilyes Ketch, le coach de U10. Donc aujourd'hui, nous sommes en tournoi en futsal, très bien organisé, pas mal. Un tournoi de 16 équipes, franchement, bravo à Rosny pour l'organisation. Donc, nous sommes qualifiés en quart de finale avec une poule pas mal relevée. C'est pas mal. Un niveau de jeu. Bien, les petits sont très en forme. Très contents. C'est ton beau. Bonjour monsieur Ketch. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Et là, on vient d'apprendre que votre équipe est en quart de finale. On aimerait savoir comment vous allez faire pour amener cette équipe en quart de finale. J'ai donné des conseils, puis les petits les ont réalisés. Après, on n'était pas trop éveillés. Enfin, on avait du mal. C'était le réveil, premier match, on perd 2-0, j'ai 9 joueurs, c'est dur de faire des changements, c'est dur pour moi, dur pour eux, parce qu'ils n'ont pas trop de temps de jeu. Et après, suivant le deuxième match, j'ai parlé avec Marwan, le coach de Udissa, qui m'a conseillé de faire des changements toutes les 4 minutes. Et il avait raison, donc ça a payé. Et maintenant, on est qualifié en quart de finale. Et l'équipe de Vincennes, et vous comptez gagner ce match ou... Bien sûr. Avec la détermination, avec les petits qu'on a, l'équipe qu'on a, on peut aller loin, on peut même aller en finale. J'espère.